Japon qui inaugure ce festival de but. 14e minute, Gorter seul face à Bernard Lama. Caen, pourtant dominé en ce début de match, creuse l'écart. Coup franc de Gorter, repoussé par Lama, d'Angbeto pour le 2-0. Lens revient au score par son capitaine. Wallem, seul au 6 mètres. En force, Montagnier s'incline. Les Lensois obtiennent un pénalty. Gillot tire en force, mais à côté. En deuxième période, les nordistes égalisent. Énorme dégagement de Lama. Delmotte devance Montagnier. Au ralenti, Montagnier rate sa sortie, mais pas le nez de l'attaquant lensois. Après Montagnier, c'est au tour de Bernard Lama de commettre une erreur. Caen prend l'avantage par Dumas, 3-2. Pour la deuxième fois du match, Lens recolle à la marque. 73e minute, frappe de Moffroy, 3-3, c'est le score à la fin du temps réglementaire. Dans les prolongations, après un coup franc de Gillot, tir de Delmotte dévié par Rival, Lens mène 4-3. Caen égalise, reprise à l'arraché de Piqueux, Bernard Lama est battu. 4-4, puis finalement 5-4 pour Caen, Gorter pour le plus beau but de cette rencontre. Caen qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France.